Depuis le début du second semestre 2023, la hausse des prix à la consommation pèse sur la bourse des ménages ghanéens. Selon les données officielles, le Ghana affiche depuis une hausse de 40% de son taux d'inflation. Une situation principalement due à l'impact des crises mondiales que sont les changements climatiques et les différents conflits armés qui fragilisent les économies mondiales et africaines. De plus, la dépréciation de 22,5% de cédis face au dollar en février a davantage contribué à l'aggravation de la crise économique que subit le pays depuis quelques mois. Face à cette situation, des centaines de personnes ont pris part le 3 octobre 2023 à Accra à une manifestation organisée par le parti de l'opposition, le Congrès national démocratique. Pour tous, l'objectif est le même, dénoncer la crise économique persistante du pays qu'ils imputent aux politiques du gouverneur de la Banque centrale. En général, quand on est dans une position où on n'a pas assez d'offres dans les marchés, dans une, pas assez de production, on assiste quand même à une inflation qui se fait par la demande. Donc, on a une offre qui est supérieure à la demande. On a des gens qui ne peuvent pas s'acheter beaucoup de produits parce que justement, il y a des produits qui sont rares. Donc, on a une inflation qui se fait donc par la demande. Donc, pour ça aussi, il faudrait que l'État essaye de un peu plus réguler le marché informel afin vraiment que les producteurs puissent avoir assez de marchandises pour pouvoir écouler leurs produits. En 2022, le Fonds monétaire international a approuvé un prêt de 3 milliards de dollars sur 3 ans pour sortir le pays d'Afrique de l'Ouest de cette crise économique. Cette somme avait pour objectif de rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette tout en jetant les bases dans une reprise inclusive, chose qui semble n'avoir pas pris effet. Le Ghana, pour limiter l'inflation, peut jouer notamment sur son taux directeur, c'est le taux des banques centrales, donc le taux auquel les banques commerciales prêtent. Et une fois que les banques commerciales prêtent à des taux qui sont, disons, élevés, elles vont obligatoirement réduire leurs emprunts et cela peut jouer sur les ménages et peut donc jouer sur leur capacité de revenus et donc sur l'inflation. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Ghana devrait ralentir à 1,5% en 2023 et remonter en 2024 à 2,8%. Mais l'économie devrait retrouver sa croissance potentielle d'ici 2025 avec l'assainissement budgétaire et la mise en œuvre des réformes structurelles annoncées par les autorités ghanéennes.